Donc là, je vous propose une paupiette de dinde au foie gras avec une sauce morille. Donc pour une paupiette, à peu près 10 g de foie frais et 50 g de foie mi-cuit. Donc toujours pour deux personnes, je prends des tranches très fines de dinde, c'est-à-dire à peu près 100 g. Je sale et poivre ma base. Et là, tout simplement, je baditionne ma deuxième escalope avec ma graisse de canard. Je prends mon foie gras et je pose mon foie frais par-dessus. Donc je sale et poivre toujours. Pour la suite, je prends ma deuxième couche d'escalope. Je vais rabattre ma première couche sous la première, tout en la compressant sur les côtés. Donc après, on va mettre de la ficelle. Je la passe dessous. Donc je fais comme un paquet cadeau, voilà. Tout en essayant de cacher le foie gras à l'intérieur. Donc là, je fais chauffer ma poêle, toujours avec ma graisse de canard. Je vais mettre ma paupiette. Donc là, 5 minutes d'un côté, 5 minutes de l'autre. Je vais les retourner. On va faire les poivrons de nouveau. Et on va remettre le couvercle. Quand c'est bien doré, on va rajouter nos échalotes. On va augmenter le gaz. On va bien les laisser dorer. Et on va rajouter nos broyés. Un peu de sucre. Et on va flamber tout ça au cognac. En faisant le flambage, faire attention donc à la flamme. Donc pour la suite, on va mouiller nos paupiettes au fond de l'eau. Et on va rajouter une cuillère à soupe de crème fraîche. Et dès que ça boue, on stoppe la cuisson et on peut servir. Donc là, en accompagnement des pommes de terre, que je vais faire revenir 2 minutes dans la graisse de canard, qu'elles prennent le goût. En déco, on va faire un truc sympa. On va utiliser de la frisée, on va déchirer pour du volume. Donc là, j'assise ma fraise pour faire un genre d'accordéon. Avec des noix sur la salade. Donc je vais prendre nos paupiettes, je vais poser sur la planche pour enlever la ficelle délicatement. Et je vais mettre une sauce. Donc ça, c'est une feuille de brique qui est passée au four 5 minutes. On la badigeonne de beurre et on la sucre pour qu'elle caramélise un peu. Avec le plat paupiette de dinde au foie gras, je vous propose un Julien de Savignac, donc mon Basillac. Il est sucré et moelleux.